Alors dans les, oui, c'est escalade. C'est une charpente extraordinaire. T'as approché en fait la photo de vous. On a tiré le rouge. La photo serait quand on grimpera, on ira dans les charpentes que vous apercevez. La trappe que vous apercevez au-dessus de notre tête, là, on verra. Et on ressortira par la tour nord, on redescend par la tour sud, alors ça fait plus de 300 marches. Et on sera à 60 mètres de hauteur. D'accord ? D'ailleurs, il y a des mauvaises langues qui nous soutiennent que l'église romane, on aurait peut-être forcé à brûler. Mais ça s'explique dans la mesure où nous sommes très riches, c'est l'apogée d'art gothique, mais l'église romane, trop petite pour recevoir tous les pèlerins qui viennent justement vénérer cette relique. Regardez ça, vos pigeons. On a la même propriété que le pont, pas loin. Hein. Oui, c'est quand même beaucoup plus épais, beaucoup plus lourd. Même plus que tout. Regardez si c'est trop formidable, mais c'est qu'on est lourd. Au solstice d'été, c'est 21. Je disais qu'ici on est au solstice d'hiver, on est juste dans l'axe de la cathédrale. Hein. Si vous venez le 21 décembre, le soleil se lève juste ici. Et le vitrail qu'on verra bien ici lorsqu'on est à l'intérieur, c'est le vitrail le plus ancien. Et date. Qui s'appelait Pigeon Vol, et comme il y avait déjà quelqu'un qui avait le titre, donc ils étaient obligés de remplacer. Il y a des raisons précises de la carte, et vous devinez pourquoi, non? Personne ne devine. Vous savez que par un... Que vous apercevez là, tout autour, pour accrocher les tapisseries. En plus, c'est...
c'est le 24 juin, le jour de la secondaire. Plus dans la classe, c'est parti. C'est des petites gens, c'est des pédobules. Ah, elle a tout retiré là, encore plus haut. On n'est pas encore en haut. Hein. C'est là, je ne connais pas le prénom de. Ok. Ah non. On fait pas le même chemin. Ah oui, là, ils ont fait. Non. Alors, on voit bien, vous voyez les arbres. Non, c'est pas le même chemin. Il n'y a pas de vide, c'est un plein. Oui. Vous voyez les arbres qui sont sous pied. Oui, de l'autre côté, vous savez comment c'était. Oui. Et ils ont coupé une deuxième pour la fin de l'entame. Là, non, c'est une fonte de retour. Il y a 1908, c'est ça. On va passer après dans les combles. C'est là qu'il y a la crainte. On va attendre 5-6 minutes que tout le monde puisse. Tu peux. Attention, il y a un grand trou, hein, on est au tout début. Hein. N'allez pas trop. Attendez-moi. Vous pouvez aller au fond, tout droit, en restant bien sur la. Habituez-vous un peu à la pénombre. Là, il faut bien rester sur la gauche. Si vous êtes à droite, vous allez faire une coupe de 45 mètres. On est au-dessus des voûtes. Et quand on est en bas, on remonte par où ? Ben vous verrez bien. Par la plus bas. Ah ouais, ça reste là. Tuez-vous un peu là. La pénombre, attendez deux minutes. Là. Vous allez à droite, vous allez au-dessus. Oui. On ne s'appuie pas beaucoup, hein. Ouais, c'est impressionnant. Didier, je referai le mien d'abord. Je referai même le mien d'abord. Ouais, priorité. Il y a un morceau de papier, qu'est-ce qu'il va chercher ? Ah oui. Mais non, c'est l'IGL, ils font des. Mettez-vous devant, madame. Oui. Prenez Didier avec. C'est Didier, mais ça ne fait pas. Je me suis fait sculpter. On peut prendre la photo si tu veux. Ils étaient bien. Je pars en mois d'octobre. Ah, tu vas où ? Je pars en Turquie. On va... Il y a encore du monde derrière vous, oui.
Non, on est moitié chemin. D'accord. Comment ? Alors, je vais vous le dire, les 14 mètres de hauteur. Elle a été restaurée totalement en 1997. Vous avez le nom du restaurateur qui s'appelle Courageux. Parce que ça va être rempli en avant. On va passer à la lésine, il n'y a rien de faire octogonal. Il faut ressentir, hein, ça dépend.